Dans Le Suppléant, le prince Harry revient sur des rumeurs concernant son anatomie. En effet, le duc de Sussex évoque sa supposée circoncision suite à son voyage au pôle Nord. Il donne sa vérité dans ses mémoires, le prince Harry a promis de tout dire. Et si est-il le cas? En effet, le duc de Sussex revient sur des sujets très intimes, notamment la fameuse question de la circoncision de lui et de son frère. En effet, lorsqu'il revient du pôle Nord, le prince va devoir parler de son pénis gelé avec son père. Mais voilà que ce dossier est déjà une affaire publique, une véritable curiosité. Un nombre incalculable de livres et de journaux, même le New York Times, avait mentionné que Willy et moi n'étions pas circoncis, écrit le père de deux enfants. Et ce, selon eux, sur un veto de Lady Diana. Selon eux, maman l'avait interdit, explique-t-il. Ainsi, le prince Harry revient sur les différentes rumeurs, s'il est tout à fait vrai que les risques d'engelure pénienne sont bien plus importants en l'absence de circoncision, l'information me concernant était fausse. J'ai été circoncis bébé. Voilà qui est dit. Un sujet très intime qui pourrait peut-être relancer les ventes de son livre. En effet, selon un journaliste américain, les ventes du suppléant sont en baisse, si est-il stupéfiant. Les ventes de la deuxième semaine n'ont été que de 195 000 exemplaires, selon NPD Books Cannes. Les ventes de la première semaine étaient de 629 000, a-t-il indiqué. Les ventes du livre du prince Harry en baissent pourtant, le livre a été largement diffusé dans le monde, à tel point que les ventes ont été comparées à celles du livre de Barack Obama, publié en 2020. Comparé au livre du président Obama, Harry s'est vraiment effondré. Obama n'avait perdu que 51% de ses ventes au cours de sa deuxième semaine. Bien sûr, ce livre était une source d'inspiration, pas de méchanceté. Si son livre connaît quelques difficultés, les projets du prince Harry se poursuivent.